Kia. Bwana Mungu wetu asante. Nous disons merci à notre Seigneur Dieu. Kwa kutupatia muda huu. De nous avoir accordé ce temps. Turapa juu ya kumwabudu. Nous sommes ici pour l'adorer. Na juu ya kupokea neno lake. Et recevoir sa parole. Abarikiwe na abariki kila mmoja wetu. Qu'il soit béni et qu'il bénisse chacun de nous. Mujina la mkombozi wetu Yesu. Dans le nom de notre Rédempteur Jésus-Christ. Tusimame. Mettons-nous debout. Tusome neno hi. Lisons cette parole. Matthieu 12. Matayo 12. Matthieu chapitre 12. Matayo sura 12. Ni Bwana wetu Yesu Kristo njoi kuna tufundisha neno. Notre Seigneur Jésus qui est en train de nous enseigner cette parole ici. À partir du verset 43. Kuanzia kumstari wa 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, lakini pepo mchafu wakati anapotoka mtu, il va par des lieux arides cherchant du repos. Anapita kwa pahali pasipo maji akitafuta raha wala haipati. Et il n'en trouve point. Alors il dit, halafu anasema, je retournerai dans ma maison, nitarudia nyumbani mwangu, d'où je suis sorti, pahali nilipotoka. Et quand il arrive, na wakati anapokuja, il la trouve vide, anaiona tupu, balayé, na imekwisha kufagiwa, et orné, na kupambwa. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Amen. Il en sera de même pour cette génération méchante. Halafu anakwenda, anachukua pamoja naye pepo wachafu wengine saba, waovu kuliko yeye mwenyewe. Nao wanaingia na kupanga pale, na mtu yule hali yake ya mwisho ni mbaya kupita ya kwanza. Ndivyo takavyokuwa kwa kizazi kibaya hiki. Amen. Amen. Tuko mu domaine des esprits. Nous sommes dans le domaine des esprits. Satan cherche à louer une maison. Shetani kuna tafuta nyumba ya kupanga ndani. Kwako. Chez toi. Une maison kwangu. Une nyumba kwangu. Une maison kwa dada. Une maison chez la sœur. Mais Mungu wetu alituita juu tukue nyumba nyumba ya. Mais Dieu nous appelle pour que nous puissions être sa maison. Bwana anafundisha kwamba. Seigneur enseigne en disant que. Pepo mchafu. Quand il les refuse. Unaifukuza. Il les chasse. Itatoka. Il va sortir. Itaenda kutafuta kwenye itapanga. Il va aller là où il va loger encore une fois. Juu ya kuendelesha kazi ya. Pour continuer avec son œuvre. Kama apate mtu mwingine. S'il ne trouve pas une autre personne. Mume au mke. Un homme ou une femme. Atarudia. Il va retourner. Niende niangalie munyumba kwenye niliishi. Il va dire, je vais aller vérifier dans la maison dans laquelle j'étais. Est-ce mko mwenye iko na nguvu kunishindia? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que moi? Anakuja anaangalia. Il vient, il vérifie. Anaona hakuna neno la kweli ndani yako. Il voit en toi, il y a pas la parole de vérité. Hakuna roho wa Kristo ndani yako. Il y a pas l'esprit de Christ en toi. Tasema kama mniingia. Il va dire si j'entre. Atanifukuza tena. Il va me chasser encore une fois. Anaenda kutafuta zingine saba. Il va chercher sept autres. Zenye ziko na nguvu kumshindia yeye. Qui ont la force, la puissance plus que lui. Anaziambia. Il leur dit. Niliishi mu nyumba. J'ai habité dans une maison. Alinifukuzaka. Il m'avait chassé. Mais sasa nilienda kupeleleza. Maintenant je me suis renseigné. Hakuna ndani yake. Je me suis rendu compte que chez David, il n'y a rien qui peut nous intimider pour que nous soyons. Parce que le diable crée une chose. Neno la c'est la parole de vérité de Dieu. Amen. Jean chapitre 8 à partir du verset 44. Satan ne peut pas habiter là où la parole de vérité Shetani est là. Hawezi kuishi mahali neno la kweli lilipo. Wakati anaita bale saba.
quand il appelle alors ses autres esprits, bah, cet esprit, tous ils viennent à entrer. Là, tu n'auras plus la force, la puissance de les chasser. Et lui aura de la place tout près de cela. Alors, ils vont détruire ta vie. Quand le diable attaque quelqu'un, la première des choses qu'il attaque, c'est sa conscience. Quand la conscience est détruite, tu ne sauras plus différencier le bien et le mal. Tu es devenu fou des diables. Que notre Dieu nous aide. Que notre Dieu nous aide. Que la parole des vérités de Dieu puisse trouver la place dans de nous. Et c'est cela, c'est dont ils nous ont rompu, Père. Jésus brise mes chaînes. Jésus brise mes chaînes. Jésus brisa mes chaînes et me libéra. Nous allons nous souvenir de notre frère Elie. Elie chauffeur. Elie chauffeur. Il est malade. Jare. Na vomissement. Il souffre de la diarrhée et des vomissements. Nous allons nous souvenir de notre frère Shadrach, capitaine. Capitaine. Il est malade de la malaria. Nous allons nous souvenir de notre sœur Rizik Petro. Elle dit que nous puissions nous souvenir de sa mère biologique. Elle est malade là à Louchébéré. Kalehe. Nous allons nous souvenir de notre frère Achille Mumbere. Son voyage en partance pour Kinshasa demain. Inclinons nos têtes. Mungu Baba Yetu. Dieu notre Père. Mujina la mwana wa kumpendu Yesu Kristo. Dans le nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Tunainamisha mioyo yetu mbele ya wepo wako takatifu. Inclinons nos cœurs devant ta sainte présence. Pardonne-nous, Dieu le Père. Pardonne chaque frère, pardonne chaque sœur. Agrée-le ce soir au travers du sang de ton Fils de l'agneau. Viens te réunir avec nous. Père et notre Dieu. Nos frères et sœurs ont des requêtes. Pour Kubali mahitaji ya watoto wako ijibie. Agrée de tes enfants et réponds à lui. Jibia Mungu wetu wagonjwa wapokee uponyaji kupitia vidonda vyako. Reçois la guérison au travers de tes maîtrisures. Safari ya watoto wako ibarikiwe na wewe, ilindwe na wewe. Que toi et protégé par toi. Mungu na Bwana wetu Yesu Kristo. Dieu notre Seigneur Jésus-Christ. Tuna tolea muda huu. Remettons ce temps, ces cultes des soirs entre tes mains. Na upewe sifa, ubarikiwe. Sois loué, sois exalté. Ulienda na watumishi wako huko ngambo ya serviteurs ya Rwengeri. De l'autre côté de Rwengeri. Umewarudisha tena salama. Ramené encore une fois en paix. Tunasema jina lako libarikiwe. Que ton nom soit béni. Culte hii mikononi mwako tunaikabidhi. Les remettons. Mujina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Tutamwimbia Mungu kwa furaha mu jina la Yesu Kristo. Tutaanza na namba 156, cantique sélectionné. Numéro 156, cantique sélectionné. Mpebi lo konyoso yanza me asala ki Toku mi sangolo nanduza tuye matuye Osana, osana, yesu masiya Eto kona yose koe mama Mpebi lo konyoso yanza me asala ki Toku mi sangolo nanduza tuye matuye
Bali mabudu zetu chini ya damu ya mwana wake Yesu Kristo na bariki taifa lote mujina la mkombozi wetu Yesu Kristo. Johnny, ni ndugu yetu Elisee wa France, de France. Jo ata tupakulia chakula ya Johnny. Ndugu, karibu. Bienvenue frère. Alléluia. Amen. Nous vous saluons tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous vous transmettons aussi les salutations de beaucoup de vos frères et sœurs de partout où nous sommes passés. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour ces temps dans lesquels nous vivons actuellement. Je l'ai dit pour une bonne raison. Parce que pour ceux qui sont réellement informés de ce que Dieu fait aujourd'hui, ils savent que les hommes de Dieu du temps de la fin ont déclaré qu'il y a deux périodes les plus importantes de l'histoire de l'humanité. Et il nous informe que les deux périodes de l'histoire de l'humanité ou de toute la création sur la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Na wana tu elezea kwamba wakati ya kwanza ambao ni muhimu sana ilikuwa ndio ile ya kuja kwa kwanza kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Et la deuxième période la plus importante c'est maintenant lors de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Na wakati ya pili ambao tena ni muhimu sana kwa nyakati za wokovu ya mwanadamu ni wakati sasa ya kurudi ya pili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Et je suis certain de Dieu. Na hivi mimi nina uhakika na Mungu que votre présence ici n'est pas un hasard. Na ninajua ya kwamba hii kuonekana tu yenu hapa haiko vya kubahatisha bahatisha. Moi, je crois que comme Simeon a été conduit par le Saint-Esprit pour aller au temple, ainsi il en est de vous et de moi. Et
Ainsi pour nous que la volonté de Dieu pour notre présence ici s'accomplisse. Na hivi basi acha mapenzi ya Mungu kwa ajili yetu ifanyike siku ya leo. Je suis reconnaissant au Seigneur parce que quand je suis arrivé dans l'église à Goma, écoutant les serviteurs de notre pasteur Kaloba, il était dans la même pensée de ce que Dieu m'avait conduit à Kigali. Ninashukuru Mungu sana kwa kuwa wakati nilifikaka hapa Goma nikakutana mzee wetu Kaloba njoo iko hapa kwenye mimbari kunaleta neno la Mungu na nikasikia mahubiri yake iko katika ile wazo moya ya ile ambayo nilikuwa nikihubiri pale Kigali. En arrivant, j'étais conduit, les frères et témoins, à prêcher à Kigali les 15, 9, 17. Na siku nilifikaka huku, niliongozwa na Mungu nikahubiri pale Kigali, ilikuwa siku 15 mwezi wa 9 kwa hii mwaka 2017. Le sujet de cette séminaire était l'unité de l'esprit et être un en esprit. Na kichwa ya ile mahubiri ilikuwa umoja ya roho na kukua mmoja katika roho. Et arrivé ici, l'homme de Dieu, frère Kaloba, parlait à l'église et à nous tous de comment suivre les étapes pour être baptisé ou rempli du Saint-Esprit. Na kufika yangu hapa, nikakutana mtumishi wa Mungu, ndugu yetu Kaloba, iko na ubiri, gisi ya kuweza kupokea roho mtakatifu, kuweza kukua na umoja katika roho. Étant encore surpris, le pasteur, notre pasteur Bulumba dit, après le frère Kaloba, mon frère, prépare-toi, c'est toi qui continue. Tena nikashtushwa kisha mzee tukaloba kumaliza kuhubiri nikasikia mchungaji Bulumba ananiambia ndugu jitayarishe ni wewe ndio utaendelesha mahubiri. Et je me suis dit Seigneur aide-moi que je continue dans le même esprit. Na nikajiambia mara moja Mungu wangu unisaidie niendelee tu na hii roho yenyewe ilikuwa na uhubiri. Je n'aime pas donner de titre dans les prédications mais aujourd'hui je vais essayer de vous donner un sujet autour desquels nous allons essayer de voir comment naviguer pendant ces jours. Mais si zoe yake kabisa kupana kichwa ya mafundisho ambayo tutajifunza, lakini leo utajaribu kuleta kichwa ya mafundisho ya ile nyi tutagusagusa muda ya hii juma. Et je l'intitulerai étant justifié. Na hivi ile kichwa ile mahubiri nasema kisha kuhesabiwa haki, soyez parfait. Basi uwe mkamilifu comme votre père est parfait. Kama vile baba yenu pia ni mkamilifu. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Et mettons-nous debout. Tusimame pour lire la parole de Dieu. Tusimame kwa ajili ya kusoma neno la Mungu. Prenons Galates chapitre 5. Tuchukue wa Galatia sura ya 5. Nous lisons à partir du 12e verset. Na tutasoma tukianzia ku mstari ya 12. Excusez-moi. C'est Romains 5. Bas, naomba mnirehemu ni wa Roma sura ya 5. Romains 5 verset 12. Wa Roma 5 mstari ya 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Hivi kama kwa mtu mmoja zambi iliingia ulimwenguni, na kufa kwa njia ya zambi, na hivi kufa kulikuja juu ya watu wote kwa sababu wote wamefanya zambi. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'étant pas imputé, car il n'y a point de loi. Maana mbele ya sheria, zambi ilikuwa ulimwenguni. Lakini zambi haihesabiwi wakati sheria isipokuwa. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Lesquels est la figure de celui qui devait venir. Lakini kufa kulitawala tangu Adamu mpaka Musa. Hata juu ya watu wasiofanya zambi kama alivyofanya Adamu aliye mfano wake yeye atakayekuja. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul
Il en est beaucoup qui sont morts. À plus forte raison, la grâce de Dieu et les dons de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Lakini zawadi ya neema haikuwa kama lile kosa. Kwa maana kwa kosa la mtu mmoja wengi walikufa. Zaidi sana neema ya Mungu na zawadi kwa njia ya neema ya mtu mmoja Yesu Kristo imezidi kwa watu wengi. Et il n'en est pas dit donc comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Wala kadiri ya yule mtu mmoja aliyefanya zambi, si kadiri ya ile zawadi. Kwa maana hukumu ilikuja kwa njia ya mtu mmoja ikaleta azabu. Lakini zawadi ya neema ilikuwa kwa ajili ya makosa mengi ikaleta kuhesabiwa haki. Kwa maana kama kwa njia ya kosa la mtu mmoja kufa kulitawala kwa ajili ya mtu mmoja, zaidi sana wao wanaopokea neema ya kuzidi na zawadi ya haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja Yesu Kristo. Amen. Amen. Le frère a lu le verset 17. Vous pouvez vous asseoir et que Dieu vous bénisse. Ndugu amesoma ile mstari 17 hivi mnaweza kuketi na Mungu awabariki. Et si le verset 17 que le bien-aimé vient de terminer. Na hivi le mstari 17 ambao ndugu mpendwa anatoa kusoma. Il est écrit si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul. Inaandikwa kwamba kwa maana kama kwa njia ya kosa la mtu mmoja kufa kulitawala kwa ajili ya mtu mmoja, a plus forte raison ceux qui reçoivent, pas tous, mais ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Zaidi sana wao wanaopokea neema ya kuzidi sana na zawadi ya haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja Yesu Kristo. Bien-aimés frères et sœurs, wapendwa wa ndugu na wadada zangu, pour être ici, kwa kukua hapa, ou pour être dans l'église du Seigneur, ama kwa kuwa ndani ya kanisa la Bwana, vous deviez d'abord être informé de la grâce qui vous est proposée ou qui vous est donnée. Ulipashwa kwanza kujulishwa juu ya neema ambayo Mungu amekutarishia au ambayo neema ambayo Mungu amekupatia. Parce que la mort est une réalité, naturellement si on parle comme ça. Kwa sababu kufa hayo, kufa ni mambo uhakika kama tunasema ile mambo wazi. La mort kukufa est une réalité. Kukufa ni mambo ya uhakika. Beaucoup meurent et d'autres naissent. Wengi wanakufaka na wengi wanakuwa wanazaliwa. Nous sommes pas les premiers à vivre sur la terre, ceux qui sont là vivants aujourd'hui. Haiko sio ndio wa kwanza sisi tunaishi leo kwa hii dunia. Haiko sio ndio wa kwanza kuishi kwa hii dunia. Parmi nous, moi mon père n'existe plus, ma mère n'est plus. Kwanza mimi babangu hakuwake tena na mama yangu naye hakuwake tena. Ils étaient là avant que je ne naisse. Abo walikuwa wanaishi kwa hii dunia mbele mimi nizaliwe. Je nais, ils sont là et ils partent, je suis resté. Mimi nizaliwa walikuwa pale. Kisha kumwisho wanaenda wananiacha mimi na baki. La mort est une réalité pour tous. Nikusema kukufa hayo ni mambo ya uhakika kwa watu yote. Je disais ce matin un frère. Na asubuhi ya leo nilikuwa naambia ndugu mmoja, si en tant que parent, moi je vois mes enfants. Nikasema kama vile mzazi ninapoona watoto wangu hivi, je dois être certain que ce sont mes remplaçants dans la selon la vie. Napasha kuwa na uhakika kwamba aba ndio watachukua nafasi yangu kisha mie kuenda kwa hii mwili. Ça me remplace parce que si la vie continue, je mourrai et parmi mes enfants, il y a ceux qui resteront vivants. Na sababu kama tunaendelea kuishi, mie nitakufa na katikati ya watoto wangu kutakuwa mimi wataendelea kuishi batabakia na uhai. Au moins sur ce point, il y a pas de discussion que ça soit blanc, noir, prince, roi, président, ministre. Chômeur, esclave, la mort est une réalité pour tous. Kuhusu kabisa ile jambo akukwake ubishi
Ukoko tajiri masikini ukue uko wenjo uko nani uko nani sio bote tunakufaka ni wakika. Vous viviez affamé pauvre pendant 100 ans l'autre 100 ans riche tous la fin de chacun c'est la mort. Hata kama unaishi miaka 100 uko masikini na mwingine anaishi miaka 100 uko tajiri mwisho ya bote ni kukufa tu. Amen. Amina. Ainsi nous glorifions et louons Dieu parce que ça aussi pour vous et moi, c'est une réalité que Dieu dit ce qu'il pense et il pense ce qu'il dit. Hivi mimi na nyinyi tunashukuru Mungu kwa ajili ya ile jambo na tunaona pale ya kwamba Mungu anasemaka mambo yenyewe anawaza na anawaza mambo yenyewe anasema. Parce qu'il a été dit Adam. Sababu Adam aliambiliwaka le premier homme ambaye alikuwa ndio mtu wa kwanza. Tu mangeras de tous les arbres, de tous les arbres. Akaambiliwa utakula kwa miti yote. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, tu n'en mangeras pas. Lakini kuhusu ile muti yenye iko katikati ya bustani usikulake ile. Le jour où tu mangeras, si kwenye utakulaka ile, tu mourras. Utakufaka. Amen. Amina. Et le jour où il a mangé, na si kwenye alikulaka, la mort est entrée. Kifo kikaingia. Donc Dieu a dit vrai. Il a dit la vérité. Ni kusema pale tunaona kwamba Mungu alisema ukweli kabisa. Maintenant c'est par là que l'homme de Dieu, l'apôtre Paul nous informe. Sasa kupitia pale ndio mtu wa Mungu huyu mtumishi wa Mungu Paulo anatujulisha. Au verset 15. Kumustari ya 15. La partie qui dit si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts. Anasema kwamba ikiwa basi kwa kosa ya mtu mmoja kuna wengi ambao wamekufa. Tout celui qui meurt même aujourd'hui ceux qui mourront c'est à cause d'Adam. Kila mtu mwenye anakufa hata mwenye anakufa leo na wengine watakufa msiku zeziko nakuya ni juu ya ile kosa ya Adamu. C'est à cause d'Adam. Ni juu ya Adamu. Et même si tu vois un cadavre qu'on part enterrer, yo, c'est à cause d'Adam. Tu n'as pas péché. Tu n'as pas injuré Adam. C'est lui qui a amené la mort. Na hata kama ukiona biko banenda zika mtu unasa oh ni juu ya Adamu. Pale hautukani Adamu hapana. Parce que la culture dit, ça va andiko inasema c'est par lui que la mort est entrée. Andiko inasema kwamba ni kwa njia yake ndio kifo kiliingia kudunia. Et nous nous croyons tout ce qui est écrit. Na sisi tunaamini yote yenye inaandikiwa. Notre absolu c'est la Bible, la parole de Dieu. Musimamo yetu ya mwisho ni Biblia ambayo ndio neno la Mungu. Qui a amené la mort? Adam. Nani mwenye aleta kifo? Jibu iko teketeke ni Adamu. Votre. Binesha l'ange. Haiku malaika ndio aleta kifo. Et je vais vous informer. Na ndabajulisha hivi. Ce n'est même pas Eve. Na haiku hata Eva. Pourquoi? Jou ya nini? En mangeant, kwa kukula, Eve était séduite. Eva yeye alikuwa ametongozwa. Et on lui avait dit, na alikuwa ameambiwa, vous ne mourrez point. Ya kwamba hamuta. Mais vous serez comme des dieux. Hamutakufa, mutakuwa sawa wa Mungu. Connaissant le bien et le mal. Na mutajua mema na mabaya. Mais quand Adam a mangé, lakini wakati Adamu yeye alikula, lui savait. Alikuwa, lui savait. Na anajua. Il n'a pas cru la doctrine du serpent. Adamu yeye hakutongoziwaka, hakuaminiaka mafundisho ya nyoka. Lui Adam. Yeye Adamu. En mangeant. Sa alikuwa nakula. Il a su que la mort est entrée. Alikuwa nakamata anakula sewa. Hapa mimi nakula kifo kabisa. Na anajua bien bien bien. Et c'est par amour pour Eve qu'il a mangé. Na ni sababu ya kupenda Eva sana ndio maana alifikiaka kukula. A la croix. Pale kumsalaba. Jésus savait qu'il allait mourir. Yesu alikuwa anajua gisi atakufa. Mais par amour. Lakini sababu ya upendo. A la croix c'est un peu plus tard. Mais quand le Seigneur, si cela était impossible, éloigne cette coupe, il savait qu'il va mourir. Sasa kwenda kumsalaba pale tena tunena mbali zaidi. Tuende kwanza wakati angali hai, wakati alikuwa anasema Bwana, kama ikiweze ikikupendeza hiki kombo kipeleke mbali. Alikuwa anajua kisha atakufa.
Mais à la fin, il a dit, lakini baadaye akasema, non pas ce que je veux. Isikuwe sasa mapenzi yangu. Mais ce que tu veux. Lakini acha mapenzi yako. Non pas ma volonté. Hapana mapenzi yangu. Mais que ta volonté soit faite. Lakini mapenzi yako ndio. Ainsi à la croix. Na hivi sasa pale kumsalaba. Wakati alikuwa anakufa. Jésus-Christ savait. Yesu Kristo alikuwa anajua. Je meurs. Mimi nakufa. Mais l'épouse. Lakini bibi harusi. Mon époux. Bibi harusi wangu. Il aura la vie. Yeye atapata uzima. C'est pourquoi il pouvait dire, Joma nangeweza kusema, j'ai le pouvoir de donner ma vie. Ninayo mamlaka ya kutoa uzima yangu. Et j'ai le pouvoir de reprendre ma vie. Tena niko na mamlaka ya kuweza kuchukua. C'est pourquoi la deuxième partie du verset dit, Joma na sehemu ya pili ya hii shairi inasema, kumstari ya 15 tu, à plus forte raison la grâce de Dieu. Inasema mara ngapi zaidi neema ya Mungu. Et le don de la grâce. Na zawadi ya neema. Venant d'un seul. Pas deux, pas trois, un seul. La mort est venue par un seul. Kifo kilikuya kwa njia mtu mmoja. Ainsi la vie aussi est venue par un seul. Na hivi pia uzima nayo imekuya kwa njia ya mtu mmoja. Et nous pouvons répondre. Na hivi tunaweza kujibia. Qui donne la mort? Nani mwenye anapanaka kifo? Adam. Ni Adamu. Et qui donne la vie? Na nani anapana uzima? Le Seigneur Jésus-Christ. Ni Bwana Yesu Kristo. Amen. Amina. Voilà pourquoi nous disons, vous qui êtes ici présents, recevez la grâce de Dieu. Parce que Dieu nous a fait grâce. Et cette grâce, il est appelé le don de la grâce venant d'un seul homme. Jésus-Christ. Inaitwa zawadi ya neema ambayo imetokea kwa mtu mmoja ambaye ni Bwana Yesu Kristo. Prenons Ephésiens 2. Tukamate wa Efeso sura ya pili. Verset 1er. Kumustari ya kwanza. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Nanyi mulikuwa wafu kwa sababu ya makosa yenu na zambi zenu. Dans lequel vous marchiez autrefois, selon les traits de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Mulizo tembea ndani yao zamani kwa kufuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule anayetenda kazi sasa ndani ya wana wa kuasi. Écoutez maintenant. Tusikie sasa. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mustera tatu, kati kati yao, si si sote. Tuliishi vile vile katika tamaa za mwili wetu tukifanya mapenzi ya mwili na ya nia na tulikuwa kwa tabia wana wa kasirani kama wale wengine. Mais Dieu. Lakini Mungu. Mais Dieu. Lakini Mungu. Mais Dieu. Lakini Mungu. Qui est riche en miséricorde. Akiwa mwenye rehema nyingi. À cause du grand amour dont il nous a aimés, kwa sababu ya mapendo makubwa ambayo aliyotupenda sisi, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. Hata wakati tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alitupatiza uzima pamoja na Kristo. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Mumekombolewa kwa neema. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Na alitufufua pamoja naye na kutukalisha pamoja naye katika pahali pa mbingu katika Kristo Yesu. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Hata katika nyakati za kuja aonyeshe wingi wa kupita kiasi wa neema yake
Kwa wema wake kwetu katika Kristo Yesu. Arrêtons-nous un peu ici. Acha tusimamie kwanja hapa. En venant à la foi, en croyant à ce que Dieu a fait par Jésus-Christ à la croix. Wakati tunakuwa amini kazi yenye Mungu alifanya kwa njia Yesu Kristo pale kumsalaba. Si vous croyez, ikiwa na amini, nous parlerons de l'esprit après. Mais si vous croyez, tutasema juu ya roho baadaye, lakini kama naamini. Et que si c'est par le Saint-Esprit que vous avez cru. Na ikiwa kweli uliamini kupitia Roho Mtakatifu, pour Dieu, kwa Mungu yeye, il vous voit déjà en Christ perfectionné dans les lieux célestes. Mungu yeye pale anakuona mara moja ndani ya Yesu Kristo na umekamilishwa mahali pa juu. Quand le Seigneur dit, wakati Bwana anaposema, nul ne peut venir à moi. Anasema hakuna mwenye anaweza kuja kwangu. Si mon père ne l'attire. Isipokuwa baba yangu ndio mwenye amemvuta. Quand Dieu t'appelle, wakati ni Mungu anapokuita, avant même d'écouter la parole, mbele hata usikie neno, si c'est lui qui te pousse à aller là où tu peux entendre sa voix, kama ni Mungu ndio alikuongoza uende pale kwenye sauti yake, déjà vous avez reçu grâce devant lui. Pale ni kusema umepokea neema mbele ya uso wake. Et si c'est lui qui t'a appelé, na ikiwa ni yeye ndio alikuita, il te voit comment tu viens, anakuona jinsi unakuja, il sait pourquoi tu viens, na anajua kenye kinacho nakuja, il te voit déjà dans la gloire aussi. Pale pale anakuona mutukufu vile vile. Toi, oui, si c'est lui, comme ni yeye, il fera en sorte que tu marches dans ses voies jusqu'à la perfection. Ikiwa ni yeye alikuita kweli, atafanya kwa jinsi utembee munjia zake mpaka ufikie mukamilifu. Si vous lisez réellement la parole, comme ukisoma kweli kweli neno, vous comprendrez qu'il y a cela que Dieu aime. Mutafikia kuelewa kwamba kuko mahali penye Mungu anapenda. Dieu est bon pour tout le monde. Mungu kweli ni mwema kwa watu yote. Mais Dieu aime. Lakini Mungu na anapendaka. Il est bon. Yeye ni mwema. Pour tout le monde. Ni mwema kwa watu yote. Il est bon. Yeye ni mwema. Pour toutes les créatures. Ni mwema kwa viumbe vyote. Dieu aime. Lakini Mungu anapendaka. S'il t'aime. Kama kikupenda, c'est au-delà de sa bonté. Ni kusema iko tena zaidi ya wema yake. S'il t'aime, ikiwa nakupenda, il t'appelle. Atakuita. S'il t'aime, kama kweli amekupenda, atakupele, il se révèle à toi. Sasa yeye anakuita, anajionyeshaka wazi kwako. Il te dit, "Mais voici." Utaona nakwambia, si mie ndio huyu. S'il t'aime, na ikiwa nakupenda, il circoncit par d'abord tes oreilles. Ataanza kwanza kutahiri masikio yako. C'est pourquoi il est écrit dans les anges de l'église. Ndio maana inaandikwa kwamba ndani ya vizazi ya kanisa. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'esprit dit à l'église. Ya kwamba wenye kuwa na masikio wasikie yale roho iko naambia makanisa. C'est pas ça. Haiko hii masikio ya minofu hii. Ça c'est ce que vous voyez. Mais il y a des yeux de Dieu, il y a des oreilles de Dieu, il y a la bouche de Dieu, il y a l'être spirituel qui est créé à l'image de son fils. Lakini kuko macho ya Mungu, masikio ya Mungu, kuko na mtu wa kiroho mwenye aliumbiwa kwa sura ya mwana wake. Amen. Amina. Et je vous montrerai comment vous pouvez vous-même vous examinez. Non, tabaonyesha gisi we peke unaweza kujichunguza. Ne regarde pas ton frère, ta soeur. Ne regarde pas ta femme, ton mari. Toi, regarde-toi par rapport à la parole. Usiangalie mke wako au mwenyane kala pembeni yako au bwana yako, lakini ujiangalie we peke mbele ya neno. Parce qu'il s'agit de toi et de Dieu. Kwa sababu hii mambo inakuhusu njo we peke na Mungu. Dieu peut t'aimer. Mungu anaweza kukupenda ndugu. Benem pata femme. Lakini unakutana hapendi bibi yako. Sir, Dieu peut t'aimer.
Dada, Mungu anaweza kukupenda wewe. Mais il n'aime pas ton mari. Lakini unakuta hapendi bwana. Vous parents, nyie wazazi. Dieu peut vous aimer. Mungu anaweza wapenda. Mais il n'aime pas vos enfants. Lakini unakuta na Mungu hapendi watoto wenu. Et encore je dirais. Tena nitafikia kusema. Les enfants dont les parents ne sont pas ici. Batoto benye wazazi yao hawako hapa. Peut-être que Dieu vous aime vous mais pas vos parents. Saa zingine Mungu anawapenda nyie batoto lakini hakupenda bazazi yenu. Est-ce qu'on est ensemble? Je, paka pale tu pamoja. Je ne sais pas si vous avez senti la profondeur de l'enseignement de frère Kalo. Je ne sais pas. Si tu kama mulifikia kabisa kuingia mwele kilindi ya ile mafundisho ya mzee Kalo. Parce que ça sort des baptêmes du Saint-Esprit. Kwa sababu mambo yenye kuhusu ubatizo ya Roho Mtakatifu. Aucun homme n'a le flair sur cette expérience. Aucun homme. Hakuna mtu yeyote mwenye kuna ushawishi juu ya ile mazoezi ya kwa. C'est l'affaire de Dieu et du croyant. Ile ni kazi ya Mungu ye peke na muamini. Ne l'écoutez pas ou ne pensez pas venir ici avec les yeux pentecôtistes. Musisikie le mambo au musiwaze mtakuya hapa na macho ya kipentecôtiste. Oh alors avec des lunettes pentecôtistes. Ah oh mnakuya na malineti ya kipentecôtiste. Quelqu'un bouge pas il là. Quelqu'un saute il non. On vous a dit quand même du baptême mais sans sensation. Banasema tu tuombe Mungu unasikia kuna mtu ananja. Ule amemupata mwingine tumeambiwa kwamba ubatizo wa Roho Mtakatifu haina mishtuko ile ni siri. J'ai l'habitude de dire binazoea kusema nous sommes pas tous de Paul. Sie bote hatuko ba Paulo. Pour commencer à dire kusudi tuanze fika kusema hey frère bambia ndugu mon frère ndugu yangu ça fait 10 ans inakuwa miaka 10 est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Je usapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu? Mais ça ne te regarde pas. Bon yeye ni kuangalie est-ce que c'est à toi? Je ni yako est-ce que c'est toi qui le donne? Wengi unapana kile ubatizo. Laisse-moi tranquille. Uniache na ukimya. Demande à Dieu s'il me l'a donné. Wewe uliza jo Mungu kama risa ni batiza na ile ubatizo. Si te réponds viens me donner la réponse. Bon, kama kikujibia wewe ukie uniambie. Laisse-moi avec mon Dieu. Lakini uniache mie na Mungu wangu. Est-ce que on est ensemble? Je tuko pamoja. Ainsi l'apôtre dit. Naïf mutume anasema verset 8. Kumusara munane. Ephésiens 2. Ou Ephésiens 2. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous. Alors c'est le don de Dieu. Amen. Anasema kwa maana mumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Wala neno hili hali kutoka ndani yenu ni zawadi ya Mungu. C'est le don de Dieu. Ni zawadi ya Mungu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Anaendelea kusema si kwa matendo asiwe mtu atakaye jisifu. Et pourquoi? Na ni jua nini? Si c'est le don de Dieu. Kama ni zawadi ya Mungu. Si c'est la grâce de Dieu. Kama ni neema ya Mungu. Le verset 10 met un saut. Hivi mustari ya 10 inatia muhuri pale. Car nous sommes son ouvrage. Inasema maana sisi ni kazi yake. Et ont été créés en Jésus-Christ. Na tuliumbwa katika Kristo Yesu. Pour de bonnes œuvres. Ili tutende matendo mema que Dieu a préparé d'avance. Ambayo Mungu alitayarisha tokea mbele. Afin que nous le pratiquions. Ili tupate kuitenda. Un enfant de Dieu, mwana wa Mungu, il ne fait pas un effort pour combattre la vérité. Yeye hajikazaki kusema apiganishe ukweli. Il ne fait pas un effort pour croire la parole. Na hajikazakazake jua mini neno. Et il ne fait pas un effort pour faire les bonnes œuvres. Tena hajikazakazake jua tena matendo mazuri. Si tu fais une bonne œuvre, sœur, dada yangu, ukifanya kitendo kizuri, ce n'est pas ton œuvre. Kile kitendo kizuri haiko kia. C'est l'œuvre de Dieu. Ni kitendo kia Mungu. Il a préparé. Mungu alikitarisha kwa sa fille. Kusudi wewe binti yake. Il t'appelle. Anakuita. Il te donne cette œuvre. Kisha anakupatia kile kitendo. Accompli. Anasema nitimizie kitendo, nitimizie.
Amen. Amina. Ephésiens 3. Wa Efeso sura ya 3. Verset 14. Mustari ya 10 na 4. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de la gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Kwa sababu ya neno hili, ninapiga magoti yangu mbele ya Baba, katika yeye jamaa zote mbinguni na duniani wanaitwa, awape nini kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake kupata nguvu na uwezo kwa njia ya roho yake katika mtu wa ndani. Pourquoi? Kwa nini? En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Hata Kristo akae ndani ya mioyo yenu kwa imani, mukiwa na shina na musingi katika mapendo. Que vous puissiez comprendre. C'est ça la raison de notre présence ici. Ndio sababu ya kukua yetu hapa. Que vous puissiez comprendre. Ili mupate kufahamu. Avec tous les saints. Pamoja na watakatifu wote. Quelle est la largeur. Upana. Quelle est la longueur. Na urefu. Quelle est la profondeur. Na urefu wa chini. La hauteur. Na urefu wa juu. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Amen. Na kujua mapendo ya Kristo yanayopita ufahamu yote. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Mupate kutimizwa kwa utimilifu wote wa Mungu. Oh, hivi basi, à celui qui peut faire. Kwake yeye ambaye anayeweza kufanya. Par la puissance qui agit en nous. Kwa njia ya uwezo ambao unatenda kazi ndani yetu. Au-delà. Zaidi. Infiniment au-delà de tout ce qu'on peut, que nous demandons ou pensons. Kwa zaidi ya ile ambao tunaomba ama kuwaza. Vous ne demandez pas comme il faut. Hamuomba kiata gisi inastahili kuomba. Vous ne passez même pas ce que comme il faut. Na hamufikia hata kuwaza gisi inastahili hata kukua na wazo. Là où vous arrêtez, le Saint-Esprit va au-delà. Kwenye unaishiaka, Roho Mtakatifu yeye anaendaka zaidi. C'est ça la pensée de cette écriture. Ndio mawazo ya ile andiko hii. Quand vous jeûnez, quand vous priez, wakati unafunga chakula, quand vous êtes fatigué, wakati nyo unachoka, quand vous avez même, vous manquez même de paroles, wakati nyo unaja kosa tena maneno ya kusema, ne vous arrêtez pas parce que vous manquez de mots. Usisimamie pale jo kusema mimi nakosa maneno ya kusema. Soupir seulement, soupir. Wewe ugua tu, endelea kulia tu ndani ya roho yako. Endelea kulia tu. Pas de soupirs inexprimables. Njia ya ile ku Le Saint-Esprit. Ne soyez pas des pharisiens. Même si tu n'as plus de mots. Mais dans ton affliction. Lakini ndani ile uchungu yako. Sois certain. Uwe na uhakika. Je suis au pied de la croix. Uwe na uhakika na kusema mimi niko ku miguu ya msalaba ya Yesu. L'intercesseur va continuer. Na mutetezi yeye ataendelesha hii maombi yangu. Et je suis certain. Na ninayo uhakika. Pari kwa njia yake. Dieu va agir. Mungu au-delà de ce que moi je pense. Au-delà de ce que moi je demande. Yahweh, atanijibia na atatenda. C'est ça l'écriture. Njo ile andiko ile. A lui soit la gloire
Basi kwa ke utukufu. Où? Wapi? Wapi? Dans l'église. Ndani ya kanisa. Et en Jésus-Christ. Na ndani ya Yesu Kristo. Dans toutes les générations. Katika vizazi vyote. Au siècle des siècles. Kwa milele na milele. Quand on parle du don de Dieu. Wakati tunaposema juu ya zawadi ya Mungu. Le don de Dieu. Zawadi ya Mungu. Est un homme. Il est zawadi ya Mungu. Ni mutu. Il n'y a qu'un seul don. Kuna zawadi moya tu. Et le don de Dieu. Na. Il est zawadi ya Mungu. C'est un homme. Ni mutu. Mutu. Et il a un nom. Na ulo mutu. Iko na jina. Et il s'appelle. Jina yake. Le Seigneur Jésus Christ. Bwana Yesu Kristo. C'est cet homme là. Ni ulo mutu. Quand vous lisez dans Jean 4. Wakati yona poso manana Yohane sura ya 4. Il était avec ses disciples. Alikuwa siku moja pamoja na wanafunzi wake. Discuter. Wakizungumza. Et les disciples disent, bon, il faut quand même qu'on a beaucoup parlé, tu as beaucoup prêché. Wanafunzi wakasema bon, umehubiri sana, tumesema mengi. Alors maintenant chercher à manger au marché. Hivi twende kwanza tutafute chakula kukula kusoko. Alors le Seigneur, allez-y. Bwana akasema bon, mwende basi mwende. Ce jour-là, même Jacques l'aimait, il est aussi parti. Ile siku hata na Yohana mwenyewe alikuwa anampenda sana naye akaenda. Mais j'aime le verset 4. Lakini mimi napenda sana mstari ya 4. Lisons-le. Tu y somme dans Jean 4. Iko katika Yohane sura ya 4. Ça ne concernait pas les apôtres. Iko mambo yenyewe ilikuwa haihusu wa mitume. Ça ne concernait que l'homme seul, le don de Dieu seul. Ilikuwa nahusu ule mtu yeye peke yake ambaye yeye ndio zawadi ya Mungu. Écoutez le verset 4. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Kama vile ilivyompasa apite katikati ya Samaria. Même s'il y avait beaucoup de chemin. Hata kama manjia zilikuwa mingi. Ce jour-là, ile siku, il fallait qu'il passe par là. Iliombaka apite pale. Et par la grâce de Dieu, na kwa neema ya Mungu, aujourd'hui, leo, nous parlerons aussi tutazungumza pia de ce chemin. Juu ya ili injia hii. Comme il fallait. Donc même lui-même Jésus ne pouvait pas dévier. Ni kusema kama vile hivyo mpasa, kwa kisi hata Yesu Kristo yeye mwenyewe hangeweza kupita pembeni ile njia. Alors, il alla tout seul. C'est là qu'il a rencontré la femme, la femme samaritaine. Et vous connaissez l'histoire. Verset 10. Jésus lui répondit. Yesu akajibu akamwambia, si tu connaissais les dons de Dieu. Kama ungalijua zawadi ya Mungu. Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Naye ni nani ambaye anakuambia unipe maji ya kunywa? Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Ungelimuomba yeye, naye angelikupa maji yaliyo hai. Ici je vous montre l'humanité du Seigneur Jésus. Hapa niko nawaonyesha. Je vais vous montrer l'humanité de Jésus-Christ. Hapa ninataka kuwaonyesha umutu wa Yesu Kristo. S'il y a des visiteurs ici, nous croyons que Jésus en tant qu'homme, il était 100% homme. Kama poko bageni, mfikie kujua kwamba sisi tunaamini kwamba Yesu Kristo kama vile mutu alikuwa 100% mutu. Mais quand nous entrons dans sa divinité, il était 100% Dieu. Na tunapoangalia tena uungu yake, tunakutana kwamba alikuwa 100% Mungu. Quand il s'est séparé avec ses disciples. Wakati nyali fikia kutengana na wanafunzi wake. Il ne savait pas qu'il y avait une femme qui l'attendait. Walikuwa wajua kwamba. Non, le Seigneur ne savait pas. Bwana alikuwa hajua kwamba kuko mwanamke mwenye kwa anamngojelea. Mais Dieu savait. Lakini Mungu yeye alikuwa anajua. Bwana kama vile mtu alikuwa anajua kama kuko mwanamke mwana mngoya, lakini Mungu yeye alikuwa anajua. Cette femme samaritaine. Huyu mwanamke msamaria. Connaissait sa vie. Mnajua maisha yake. Passé.
maisha yake ya zamani. Et moi j'ai petit de dire, na mimi nazoea kusema, pendant qu'elle était encore dans sa chambre avec l'homme d'autrui, wakati nye huyu mwanamke huyu alikuwa kama mchumba yake na mwanaume wa watu, le désir de se lever pour aller au puits, ce n'est pas d'elle-même. Ile haja ya kusema asimame aende shamba mwa haikutokanaka na yeye mwenyewe ile siku haikutokanaka na yeye parce que là tout le temps puiser de l'eau kwa sababu wakati yote alikuwa anaenda shamba mwa mais ce jour là c'était un jour particulier lakini ile siku ikakuwa siku ya kipekee koni par Dieu lui-même siku yenye Mungu yeye pekee alijua avant la fondation du monde mbele ya umbe dunia c'était son jour à elle ilikuwa ni siku ya ule mwanamke c'est pourquoi l'écriture dit Dieu m'anandiko na sasa là où Jésus était aussi. Kwenye Yesu alikuwa kapia. Il fallait aussi qu'il passe par là. Naye ilimupasa apite mwele njia. Dieu voulait que les deux se croient, se rencontrent. Mungu alipendaka wawili wakutanane. Sur le chemin de la vie. Wakutanane munjia ya uzima. Alors dit, si tu connaissais les dons de Dieu. Hivi akambiliwa kwamba kama ungelijua zawadi ya Mungu. Jésus avait déjà vu. Yesu alikuwa amekwisha kuona. Dieu lui aime son père l'a déjà montré. Baba yake alikuwa amekwisha kumuonyesha. C'est ma fille. Ya kwamba huyu ni binti wangu. C'est la fille d'Abraham. Huyu ni binti wa Abraham. J'ai fait grâce. Hivi nimemjalia neema. Alors toi ménage. Sasa wewe tenda kazi. Car le fils ne peut rien faire de lui-même. Kwa sababu mwana hawezi kufanya kitu kwa yeye mwenyewe. Si ce n'est que ce que le père lui montre. Isipokuwa tu kenye baba amemuonyesha. Et tout ce que le père lui montre, le fils le fait pareillement. Na yote ambayo baba anamuonyesha, mwana anaifanya vile vile. Et vous connaissez l'histoire. Na mnajua mambo yenyewe litendekaka. Et nous sautons. Na tunaendelea tukiruka. Nous prenons. Tunachukua. Le verset. Excusez-moi. Voici le verset 19. Fazali tukamata mstari 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, ninaona ya kama wewe ni nabii. Bien-aimé, mupendwa, si on a le temps, ikiwa tutapata muda, on parlera de l'ordre divin. Tutazungumza juu utaratibu ya kiungu. Si Dieu vous a appelé, ikiwa Mungu alikuita. Et si Dieu a placé ces hommes, na ikiwa Mungu aliweka hawa watu ndani ya kazi yake, si vous n'écoutez pas, na ikiwa hausikii, c'est que l'esprit de Dieu paraît vous dire, mambo yenye roho ya Mungu iko nakwambia kwa njia ya watumishi wake, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, pale ni kusema kwa kitu kwenye akiendeke. Il y a le don de Dieu. Kuna kwa zawadi ya Mungu. C'est un homme. Ile zawadi ya Mungu ni mtu. Et il y a des dons de Dieu. Na kuko pia mazawadi za Mungu. C'est dans des hommes. Na zile mazawadi za Mungu iko ndani, ziko ndani ya watu. Est-ce que vous comprenez? Dieu mnasikia. Il y a le don de Dieu. Kuko ile zawadi ya Mungu. C'est Jésus-Christ. Il est zawadi ya Mungu ni Yesu. Il est le don de Dieu. Na kuko mazawadi za Mungu. Et Dieu lui-même déverse dans des hommes. Ambazo Mungu yeye mwenyewe anamwangaka ndani ya watu. Si vous êtes de Dieu, na sasa ikiwa wewe uko wa Mungu, vous saurez quel est le don qui travaille par l'homme que Dieu utilise pour toi. Utatambua kwamba ni zawadi gani ndio iko natumika ndani ya mtu mwenyewe Mungu anatumikisha kwa ajili yako. Amen. Amina. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. C'est pourquoi je vous dis. Je m'en nawaambia. Cette femme. Ule mwanamke. On pouvait maintenant considérer comme pécheresse. Ambao watu wangemuona sasa ni mwenye dhambi. Était parmi les premiers. Alikuwa katikati ya wa kwanza. De voir en Jésus. Mtu wa kwanza kuona ndani ya Yesu. Un prophète. Nabii. Il dit, Seigneur. Angalia hapa anasema Bwana, je vois que tu es prophète. Mimi naona kama iko sawa. Il lui a révélé cela. Mimi naona kusema kwa nabii. Nani alimfunulia ile miro mtakatifu? Il faut pas se dire Kaloba c'est mon pasteur. Oh Kabanza c'est mon. Oh Bulumba bon. C'est un slogan ou c'est quoi? Où tu es révélé que c'est ton pasteur? Haishi tu kusema bo Kaloba ni pasteur wangu, bo Bulumba ni pasteur wangu. Je, nika kusema sema tu mukinywa au umefunuliwa na Mungu? Il ne s'appelle pas pasteur. Yeye jina yake haiko pasteur. Il s'appelle Bulumba. Jina yake Bulumba. Le mari de Josephine. Na ni bwana yake na dada Josephine. Le papa de Neville. Kwanza ni babake na Neville.
Mais toi, lakini wewe, si tu sais que c'est ton pasteur, kama unajua ya kwamba yeye ni mchungaji wako, il est le pasteur, il est ton pasteur. Yeye ni mchungaji wako. Et tu as même bien d'égalité avec sa femme comme votre pasteur. Na wewe na mke wake mko sawa sawa pamoja mbele yake mko wa kondoo zake. Parce qu'il est aussi le pasteur de sa femme. Kwa sababu yeye pia ni mchungaji wa mke wake. Et j'ai dit à ma femme, na, ninaambia kamuke wangu, et mes enfants, na batoto yangu, que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Il faut discerner quand je parle comme frère. Inafaa kupambanua wakati niko nasema kama vile ndugu. Et quand je parle comme mari. Na wakati mimi nasema kama vile bwana. Et quand je parle comme serviteur de Dieu. Na wakati mimi nasema kama vile mtumishi wa Mungu. Parce que si on ne fait pas attention, kwa sababu kama mtu afanye angalisho pale. Même si vous êtes la femme d'un pasteur, ataka mawe unakuwa ka bibi ya mchungaji. Dieu peut te punir. Mungu anaweza kukupa malipizi. En tant que mari, fais ce que tu veux, dis ce que tu veux, chérie, 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 chérie. Mais quand il parle comme serviteur, fais que Dieu vous aide. Que Dieu nous aide. Yeye kama vile bwana yako, unaweza kufanya yote mimi napenda kwake, eh chérie, chérie, chérie. Lakini sana sema sasa vile mtumishi wa Mungu. Angalisho bali ni Mungu anasema même les enfants ataba toto. Oh, papa, papa. Oui papa d'accord mais avez-vous compris quand il a changé de casquette et de veste la sama muta papa papa ni mzuri ni baba yenu lakini je mulisaka jua wakati nyana badilikaka anakuwa mtumishi wa Mungu ile saa. Que Dieu nous aide. Ah, Mungu atusaidie pas. Cette femme a dit tu es prophète. Oui, mama huyu akasema ah mimi nuko nabii. Et peu plus tard, na kisha baada pa la révélation, wanjia tu ya ufunuo. Cette femme est au-delà d'appeler ça comme prophète. Il dit au verset combien? Attends. Oui, mama anaenda tena zaidi ya kumuita nabii, anasema le verset 25. Mstari wa 15, la femme lui dit yule mwanamke akamwambia je sais que le Messie viendra. Parce que le Messie est au-dessus du prophète. Anamwambia ninajua masia atakuja. Sababu masia yuko juu ya nabii. C'est lui qu'on appelle Christ. Yeye anaitwa Kristo. Quand il sera venu, na wakati atakapokuja, il nous annoncera toutes choses. Yeye atatuambia maneno yote. Ce n'est plus la prostituée qui parlait. Pale haiko tena mwanamke kahaba ndio anasema. C'est une fille de Dieu qui venait de recevoir les dons de Dieu, la grâce de Dieu. Ni binti wa Mungu mwenye amepokea zawadi ya Mungu, amepokea neema ya Mungu. Et le Saint-Esprit était à l'œuvre. Na Roho Mtakatifu alikuwa ndani ya kazi. Déjà là, elle était conduite par le Saint-Esprit. Paka hapa alikuwa kiongozwa na Roho Mtakatifu. Et comme elle grandissait en révélation. Na sa ville, alikuwa iko na komala ndani ya ufunuo. Et le Seigneur a vu qu'elle était prête à croire que c'est lui le Messie. Na bwana kona kwamba ule mwanamke alikuwa tayari kuamini kwamba yeye ndio Masia. Il répondit à la femme. Bwana akajipia ule mwanamke, je le suis. Yesu akamwambia, mimi naye sema nawe ndiye. Je le suis. Mimi ndiye. Moi qui te parle. Mimi ambaye ninasema na wewe. N'attends plus. Usingojele tena. Il devait venir. Bon, alipashwa kuya. Je suis. Lakini mie huyu sasa nimekuya. Amen. Amina. Là, pale, poussé par le Saint-Esprit, akiongozwa na Roho Mtakatifu. Elle alla dans tout Goma. Akakimbia mgoma yote. Elle qui s'est cachée. Yeye ambaye alikuwa anajifichaka justifie anahesabiwa haki gracie anapewa neema libere anafunguliwa délivré anafunguliwa lote exprimant la joie du salut na yeye ananja sema maneno ya kutokana na furaha ya wokovu. Venez voir. Anasema mkuu muone. Venez voir. Mkuu muone. Venez voir. Mkuu muone. Celui qui m'a dit. Mwenye ameniambia. Tout ce que je faisais de mal. Mambo yote ambayo nilikuwa nafanya. Sans me juger. Bila kunihukumu. Sans me condamner. Bila kunihukumu. Venez faire grâce. Akinijalia neema. Venez aussi le voir. Na nyie mkuu muone. Et la ville a cru. Na mwingine yote watu wakakimbilia kule. Jérémie. Twende mkitabu wa Yeremia.
chapitre 6. Yeremia sura ya sita. Verset 16. Yeremia sita mustari ya kumi na sita. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur le chemin. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Bwana anasema hivi. Simameni katika njia kubwa. Muone na muulize habari za mapito ya zamani. Ni wapi njia iliyo njema? Muende katika njia hii, nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Verset 17. Mstari 17. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Nami niliweka walinzi juu yenu, wakisema, sikilizeni sauti ya baragumu. C'est vraiment volontairement que je ne lis pas la fin des deux versets. Nika kusudi kabisa ndio misisome hii mwisho ya hii mashairi mbili. Parce que je ne voudrais pas que ce soit votre réponse. Sababu singelitaka kusema ikuwe ndio jibu yenu. Vous le lirez à la maison. Ile basi mnaweza kuisoma kunyumba. Et si ça, si vous voulez que ce soit votre réponse, ça vous regarde pas. Lakini na ukitaka ikuwe ndio majibu yako, binakuangalia we hapana mimi. Mais je reste dans la pensée des deux versets. Les pensées positives et utiles pour toi et pour moi. Lakini mimi nabakia mwai mawazo ya mashairi mbili ambao mimi naona sasa ni faida sana kwako na kwangu. L'écriture dit, andiko linasema, placez-vous sur le chemin. Inasema mujiweke kwenye njia. Regardez. Na muangalie et demandez. Muone na muulize quels sont les anciens sentiers. Muulize mapito ya zamani iko wapi? C'est pas fini. Haishi pale. Quelle est la bonne voie? Na tena muulize le bon chemin. Muulize njia nzuri iko wapi? Ama barabara nzuri. Le chemin aussi est un homme. Njia pia ni mtu. Il a dit, alisema, je suis le chemin. Mimi ndimi njia, la vérité, ukweli, et la na uzima. Maintenant l'écriture vous dit, et me dit, andiko linakwambia wewe na linaniambia mie, pour connaître ce chemin, kwa kufikia kujua ile njia, il faut pas rêver, haiombe kulota, il faut pas jeûner, haiombe hata kufunga chakula. Pose des questions. Andiko inasema uliza maulizo. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Demandez à ceux qui connaissent la ville. Uliza kubali beba najua mungini. Ou l'histoire. Ah, ubali beba najua mambo nye. Et là où était le chemin. Kwenye nje likuwaka. Demandez-le. Ubaulize. Où sont les anciens sentiers? Ubaulize. Ile manjia zamani zamani. Iko wapi? S'il vous donne la réponse, bakikupatia jibu, alors demande-le. Sasa, upia ubaulize, montre-moi la bonne, le bon chemin, la bonne voie. Mazile manje zamani zamani munioneshe basi ambayo iliyo njia nzuri, njia nzuri katikati ya zile manjia. Je donne l'exemple de Goma dans cette nuit au film. Nina pana mfano ya Goma mimi tano tunamaliza. On peut parler dans la ville de Goma beaucoup de gens. On peut parler beaucoup de gens à Goma, il y a ça. Tu ne sais pas tu m'ingi à quoi Goma kuko iki kuko iki. De Goma on peut aller à Butembo, on peut aller au Rwanda, on peut aller à Uganda, on peut aller à Bukavu, on peut aller à Masisi, Walikale. Donc il y a beaucoup de chemins, beaucoup de routes à Goma. Kutoka Goma on est dans Rwanda, kutoka Goma on est dans Uganda, on est dans Masisi, Walikale, on est dans Butembo, on est dans Uku na Uku. Kuko manjia mingi mu Goma. Il y a ceux qui connaissent Goma plus que moi. Kuko wa mingi wanajua pa Goma kunipita. Mais si quelqu'un veut aller au-delà de la ville de Goma. Lakini kama mtu anapenda aende tena mbali zaidi na hii mwingine ya Goma. S'il arrive à l'aéroport. Kama anafika kwa aéroport. Il dit aux gens de Goma. Anambia batu ya Goma. Vous êtes de Goma. Anasema nyinyi mko pa Goma. Oui. Ndio. Les Belges ont fait des routes. Bon, ba Belgique bali tengeneza mabarabara. Je vais aller par route.
Minapenda niende mubarabara. Il y a beaucoup de routes qui vont aller à Bukavu. Mabarabara ziko mingi za kwenda Bukavu. Mais moi je ne vais pas quitter le Congo. Lakini mi sitaki nitoke mu Congo. Moi je vais aller là où il y a la bifurcation de beaucoup de voies. Mimi ninapenda niende kwenye ko masanga njia ya manjia mingi. Si l'homme à qui on pose la question est intelligent et connaît la ville, kama ule mtu mwiba anaulize ile ulize kuna akili na anajua mwingine, il ne va pas l'amener au croisement de Birere pour aller au Rwanda. Hata mupeleka pale kwa masanga njia Birere pale ya kwenda Rwanda. Il ne va pas l'amener au repos BDG. Hata mupeleka kule ku masanga njia BDG. Parce que s'il est là au repos BDG, parce que akiwa pale kwa masanga njia BDG, il y a une route, s'il y va, il va tomber dans l'eau, dans le lac. Kuko barabara yenye ukafuata utashtuka mwisho wako unaingia ndani ya bahari. Donc ce n'est pas là. Unasema oi haiko njoo ile njia. Mama pala mnyoro kwa chikudu. Au utamfikisha tapa ku masanga njia chukudu. Parce que s'il va là-bas, parce que kama nila pale, il peut aller encore jusqu'au port et aller encore dans l'eau. Anaweza aenda tena anafika ku port tena anaingishia mumai. Mais si pala mnyoro kwa signer. Lakini ukamfikisha hapa kwenye masanga njia signer. Vous pouvez mieux l'aider. Bali unaweza kama msaidia mzuri. N'est-ce pas vrai? Si ni kweli. Lui il veut aller à Bukavu. Yeye anapenda aende Bukavu. Mais là, quand il arrive là, ça n'y en a fait qu'à pas. À supposer qu'il n'a pas été attentif. Bon, ainsi tu sais mes vies, à consécuriser comme mesure. Il arrive là, à n'a fait qu'à pas. Mais si l'Europe signe, à penser qu'on m'a sanguiné, il a oublié à Messao. Là où il doit aller. Quoi, il n'a pas choisi. Il commence à tournoyer là. Kisha, je suis Europe signe. Je suis Europe signe. Alors zunguruka zunguruka, ne me fait qu'à qu'on m'a sanguiné signe. On va lui demander, monsieur, vous allez où? Madame, vous allez où? Marata, tu vas toi t'amuliser. Où qu'on est wapi? C'est lui, je ne sais pas. Comment on a signé? Si je connais qu'on a. Est-ce qu'on peut l'aider? Jay, qu'on est à partir de qu'on m'aidera. Mais s'il avait compris, il sait la destination. Lakini kama alisikia na anajua kwenye kwa naenda. Venant de Kinshasa, il vient à Goma, de Goma par route Bukavu. Il sait déjà de Kinshasa là où il doit aller, le point d'arrivée. Kutokea Kinshasa anakuya Goma, kutoka Goma inafaa ende Bukavu kunjia barabara, tokea Kinshasa alikuwa anajua kwenye iko naenda. Donc arrivé au rond-point, kusema kufika pale kwa masanga njia, on ne va pas lui montrer la route qui va vers Virunga. Habata muonyesha barabara nyingine ndio Virunga. On ne va pas lui montrer la route qui part au Rwanda. Habata muonyesha ta barabara ya kuendea Rwanda. Si on l'aide et on l'aime, ikiwa watu wanampenda na wanamsaidia, c'est lui qui est là. Mutu mwenyiko pale, placé par Dieu, ambaye Mungu aliweka pale, comme son roulage, kama vile roulage wake, il lui dira, atamwambia, la destination pour Bukavu, njia ya kwenda Bukavu, c'est ici, ndio hii. Et sur cette route, na mwai barabara, il y a beaucoup de croisements, huko amo imasanga njia ya mingi mingi, mais on a placé des sentinelles, lakini kuko walinzi ambao wamewekwa mu barabara, qui contrôleront la route jusqu'à arriver à Bukavu, ambao watakuwa na kuonyesha barabara mpaka sasa tafika Bukavu. Amen. Amina. Il quitte le rond-point, anatoka pale kwenye masanga njia, il arrive à l'Estigo. Anafika kwensigo. Il trouve un croisement. Pale anakutana masanga njia. Sur la voie là, le chemin du Seigneur, il y a une sentinelle. Pale mwaile njia, njia ya Bwana huko hako zamu. Mulinzi. Le même son qu'il a entendu au repos Seigneur. Ile sauti yenye alisikia pale kwa masanga njia Seigneur. C'est le même son qu'il va entendre là au croisement de lui. Instigo. Nanjo ilele sauti tena atasikilia pale kwa masanga njia ya Instigo. S'il arrive ici à l'hôpital. Kama anafika hapo kwenye hospital. Il trouve une sentinelle. Atakutana mulinzi iko mwingine. C'est le même son. Ni ile sauti moja tu. Il sait là où il va. Sababu anajua kwenye iko naenda. Si on lui dit. Na ikiwa anamwambia. Passe par là. Piti hapo. Un seul son. Anasema
Nami niliweka walinzi juu yenu wakisema sikilizeni sauti ya baragumu. Walinzi ni wengi lakini baragumu ni moja. Esaïe 30. Isaya makumi tatu. Verset 18. Mustari ya kumi na munane. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il s'élèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Na hivi basi Bwana atangoja ili apate kuwahurumia ninyi. Na hivi atatukuzwa apate kuwarehemu ninyi. Kwa maana Bwana ni Mungu wa hukumu. Heri wote ambao wanaomngojea. L'Éternel vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Mstari wa 12. Na hata Bwana atakupa chakula cha taabu na maji ya kuonewa. Lakini walimu wako hawatafichwa tena. Lakini macho yako yataona walimu wako. Tes oreilles na masikio yako entendront derrière toi la voix qui dira voici le chemin, voici le chemin, marchez-y. Na masikio yako yatasikia nyuma yako sauti ikisema njia ni hii muifuate, njia ni hii muifuate. Car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Wakati mnapogeuka kwenda mkono kwa mkono wa kuume na wakati mnapogeuka upande wa kushoto. Esaïe 35 on termine par là, Dieu voulant à jeudi. Isaya sura 35 tutaishia pale Mungu akiruhusu siku ya ine tutaendelea. Verset 8. 35 mstari 8. Il y aura là un chemin frayé. Une route qu'on appelle la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour elle seule. Ceux qui la suivront, même les insensés selon le monde, ne pourront s'égarer. Na njia kubwa itakuwa kule. Na njia nayo itaitwa njia ya utakatifu. Wachafu hawatapita katikati yake. Lakini itakuwa kwa ajili ya wale wasafiri. Hata wapumbafu hawatapotea katika njia ile. Sur cette route, point de lion rugissant, nul bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Alléluia. Simba hatakuwa kule, wala nyama mukali hata panga juu yake. Hawataonekana kule, lakini waliokombolewa watatembea kule. Les rachetés de l'Éternel retourneront et ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et le jugement s'enfuiront. Na wale waliokombolewa na Bwana watarudi na watafika Sayuni kwa kuimba. Na furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao. Watapata kucheka na furaha. Na huzuni na kuugua zitakimbia. Mettons-nous debout, louons le Seigneur. Hivi tusimame na tusifu Bwana. Amen, iwe kauru kweli. Na imba sasa hallelujah. Kwa Musa na bani Nafura na zambi zangu zambi zimeto sasa nataka mkumiki mokozi wangu siku
sasa na taka Mokozi wangu Zwa usi Zamani Zamani Nilifunga Kwa mindo Onika mwende Anika mwende Akani weka Oni me koka Mazambi zangu Osa sana taka Amen. Que le Seigneur notre Dieu bénisse tout son peuple. Nous allons souvenir de notre sœur Suzanne. Notre Père et notre Dieu. Nous disons merci. Accente Dieu ya mupango wako pour ton plan wa jabu na wa Dieu wa ukamilifu et parfaite tuko ndani ya hii mupango yako. Nous sommes dans ce plan, dans ton plan là. Wewe ndio uli prévoir, c'est toi qui as prévu. Tunasema accente, nous disons merci baba père kwa vidonda vyako par tes maîtrisires. Kubali dada yetu, agrée notre soeur qui est malade, iko hospitalisé qui est hospitalisé au dispensaire. Baba, na wengi ambao ni wagonjwa. Beaucoup d'autres qui sont malades. Kwa vidonda vyako apokee uponyaji kwa jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Nyorosha mkono wako. Étends ta main. Pepo zenye kusumbua santé ya watoto wako. Santé de tes enfants. Zikimbie jina lako ambao ni saisha. Ton nom dans ce moment, la guérison des malades. Bariki taifa la. Bénis ton peuple. Bariki mutumishi wa. Bénis ton serviteur. Amen. Mungu baba yetu. Dieu notre père. Bariki safari ya ndugu yetu Achille Mumbere. Kwenda Kinshasa. En partant pour Kinshasa. Na safari ya wengi watoto wako. De tes enfants. Popote wataenda. Mukono wako wasindikize. Que ta mère les accompagne. Accent sana. Merci richement. Sante Mungu wetu. Merci notre Dieu. Sante baba yangu. Merci mon père. Mujina la ku Yesu Kristo Bwana wetu. Dans ton nom Jésus-Christ notre Seigneur. Wende na kila mmoja wetu. Par avec chacun de nous. Amen. Amen. Twende na salamu. Partons avec la salama paix. Ya Bwana wetu Yesu Kristo. Avec la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Mm-hmm.